Je pense qu'avec les préservatifs, il n'y a pas plus de rencontres entre les deux sexes. Mon moral suit, bon, quelquefois, un peu en passant, parce que on dit toujours qu'on ne mange pas de banane avec la peau. Il y a le plaisir qui est là, mais aussi, il faut se protéger, il faut se préserver. Quand tu n'es pas prêt à faire quelque chose, il faut prendre des précautions pour éviter des désagréments. Souvent, c'est lui qui demande sans préservatif, mais la plupart du temps, moi, je vais avec les préservatifs. Quand on est en tas, on s'en va directement sans le préservatif. Bonjour, chers internautes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très spécial avec les habitants de Trècheville. Pour ou contre les préservatifs? Pendant les rapports sexuels, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous vous sentez mieux? Vous vous sentez à l'aise avec les préservatifs? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec les préservatifs? Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, chers habitants de Trècheville, j'espère que vous êtes déjà prêts, vous m'attendez. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter et liker, faites-nous des propositions de sujets, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux. Et pour plus d'avis, on va dire, voilà, on se dit à tout de suite. Bonsoir ma chérie. Bonsoir madame. Comment vas-tu? Bien, et chez vous? Ouais, ça va. Ok, j'ai un petit sujet pour toi ce soir là. Le sujet c'est... Préférez-vous le faire avec les préservatifs? C'est-à-dire durant les rapports sexuels, est-ce que vous êtes pour ou bien vous aimez les préservatifs ou vous n'êtes pas pour les préservatifs? Je ne suis pas pour les préservatifs. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec les préservatifs, il n'y a pas plus de rencontres entre les deux sexes. Ah oui? Oui. D'accord. Donc si... déjà, je veux dire... C'est-à-dire, vous voulez simplement dire que avec le poids des préservatifs, il n'y a pas trop de goût en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est le plaisir qui vous intéresse dans cette histoire, quoi. Bien sûr, c'est le plaisir qui intéresse tout le monde dans cette histoire. D'accord, mais qu'en est-il de la protection des grossesses non désirées, tout et tout? Bon, ça, moi, je ne sais pas, ce qu'il veut dire. Mais en tout cas, je ne préfère pas, quoi. Toi, en tout cas. C'est le plaisir, le goût de ça, comme on le dit. C'est ça oui, qui t'intéresse. Oui, le goût de ça. Ah oui. Ok, merci. Bonne soirée déjeuner. Merci à vous de même. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. D'accord. J'ai une question pour toi ce matin. Mm-hmm. Est-ce que tu as une idée? Non, je ne vois pas. D'accord. Le sujet, c'est... Vous êtes pour ou contre les rapports, les préservatifs durant les rapports sexuels? Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le port des préservatifs ou vous ne vous sentez pas à l'aise? Bien sûr, je me sens plus à l'aise, mais plus en sécurité surtout. Parce qu'avec les préservatifs. Parce que quand on ne fait pas avec des préservatifs, bon, il y a le plaisir qui est là, mais après, il y a les conséquences aussi. Il y a la maladie, il y a plein de choses. Mais au moins, avec les préservatifs, c'est sûr que toi-même, d'abord, pour ta santé, tu es... En plus, en sécurité, pour ton partenaire aussi, pareil. Donc, moi, je préfère en tout cas qu'on utilise des préservatifs. Même avec ton mot reçu. Mon mot reçu, bon, quelquefois, on peut, en passant, trébucher on peut, quoi. Voilà, parce que on dit toujours qu'on ne mange pas de banane avec la peau, mais... Voilà, maintenant, je te sens. Mais, bon, cher, moi, en tout cas, le plus sûr est que les préservatifs, en tout cas, c'est mieux, quoi. Mais ça évite plein de maladies et puis plein de choses. Surtout que maintenant, c'est courant, le corps du l'utérus, plein de choses, des femmes, là. Le cancer, tout ça, là. Donc, en tout cas, je préfère ça. D'accord. Merci et bonne suite déjeuner. Merci à vous aussi. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va. Suis ma caméra, s'il te plaît. Ok. J'ai une question très spéciale pour toi, ma père. Est-ce que tu as une idée? Dis-moi. Est-ce que... Tu as une idée, tu peux t'imaginer un peu le thème? Non, pas vraiment. D'accord. Et le thème, c'est pendant les rapports sexuels, vous êtes pour ou contre les préservatifs? Bon, selon moi, je suis pour les préservatifs. Pourquoi vous êtes pour? Parce que, bon, les préservatifs permettent de se protéger, éviter plusieurs maladies. Et puis, bon, c'est valable pour tout le monde, quoi. Ça arrange l'homme et puis la fille en question. Mais qu'en est-il de l'adage qui dit « on ne peut pas manger un bonbon avec la peau », tu fais quoi de ça? Bon, le plaisir, il y a le plaisir qui est là, mais aussi il faut se protéger, il faut se préserver. Quand tu n'es pas prêt à faire quelque chose, il faut prendre des précautions pour éviter des désagréments.
fait, c'est ça. Ok, merci. Bonne suite de journée à toi. Merci, pareil à vous. Bonjour, ma chérie. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, et vous? Ah, ça va. Ok, j'ai une petite question pour vous. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, la question c'est, pendant les rapports sexuels, vous êtes pour ou contre les préservatifs? C'est-à-dire, est-ce qu'avec les préservatifs, vous vous sentez à l'aise? Je préfère les préservatifs. Quoi? Parce que les préservatifs nous préviennent des grossesses précoces, non désirées souvent, quoi. Avec les maladies sexuelles, plus les infections sexuelles aussi. D'accord. Mais, ça dit, avec le préservatif, est-ce que vous prenez le goût et sans les préservatifs, le goût que vous devez avoir et puis avec les préservatifs, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même, mais il faut mieux se prévenir pour ne pas être infecté plus tard et avoir aussi les maladies sexuelles. D'accord. Mais est-ce qu'avec votre mère Gigi, comme on le dit, votre titulaire, vous utilisez les préservatifs? Souvent. Souvent. Pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Souvent, c'est lui qui demande sans préservatif. Mais la plupart du temps, moi, je vais avec les préservatifs. D'accord. Donc, quand lui dit sans préservatif, vous, déjà, ça vous sied? Ça ne me sied pas. Il m'oppose auparavant, puis après. Tu laisses couler, quoi. Voilà. Ok. Merci et bon après-midi. Merci, pareil à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Super bien. Et chez vous? Oui, ça va. D'accord. J'ai une question pour vous matin. Oui, laquelle? J'ai une question pour vous matin. Oui, laquelle? D'accord. Et le thème, c'est pour ou contre les préservatifs durant les rapports sexuels? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous portez les préservatifs pendant les rapports? Bon, ça dépend. Comment? Explique-nous un peu. Ça dépend soit si le préservatif, peut-être il y a des préservatifs qui comment on appelle là, qui flottent, comme on dit. Voilà. Or, il y a, qui flottent. Il y a des préservatifs où qui sont en latex, vraiment qui prend le truc, comme on le dit. Voilà, là, c'est comme si tu n'avais pas porté de préservatif, en fait. Donc, avec les préservatifs qui prennent bien le manchin, voilà, là, c'est comme si tu n'avais rien porté. Or, il y a des préservatifs aussi qui flottent, là, vraiment. Tu sens trop que tu as porté préservatif. Oui, oui, tu sens ça. Et puis, bon, le goût en arrière n'est pas aussi comme on le veut. Sinon, le préservatif, en tout cas, il est bon. Il est source de garantie pour tout ce qui est MST, tout ce qui vous savez. D'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que avec votre mousseau Gigi, votre femme ou bien votre copine, votre titulaire, en fait, est-ce que vous... C'est vrai qu'il y a les différents types. Il y a ce qui prend bien, ce qui ne prend pas bien. Mais est-ce qu'avec elle-même, là, même ce qui prend bien, la main, si vous prenez? Non. Parce que elle, comme vous l'avez dit, raison pour laquelle je dis ça dépend. Raison, comment je t'entends dire que si c'est ta titulaire, pas besoin de préservatif. Du corps à corps. Oh, comme on dit, du sang djebé. Voilà. Maintenant, extra conjugal, là, maintenant, voilà, c'est normal que tu te préserves. Voilà. Parce qu'il ne faut pas aller choper un truc là-bas pour venir donner. C'est pas intéressant. Vraiment. Voilà. Ok. Merci et bonne suite de journée à vous. Merci, pareil à vous. Bonsoir ma chérie. Hey, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Ok, allez-y. D'accord. Mon sujet c'est pour ou contre les préservatifs durant les rapports sexuels. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand votre petite amie se protège? Je dirais pour. D'accord, expliquez. Pour des gens qui sont déjà au foyer et contre pour des gens qui ne sont pas encore en foyer. D'accord, mais et vous, mais est-ce que vous êtes déjà dans un foyer? Pas encore. Donc, vous, étant dehors, là, est-ce que vous utilisez les préservatifs ou pas? Oui, mais pas toujours. Pas toujours. Bon, les jours, quels sont les jours où vous utilisez, les jours où vous n'utilisez pas? Bien, ça dépend du petit ami, en fait. Voilà. Hein, quand c'est le titulaire, c'est non. Quoi? Non, j'ai un seul. Un seul gars, quoi. Oui. D'accord. Donc, quand c'est lui-là, vous utilisez ou bien vous n'utilisez pas? Bon, là, ça dépend. Hein. Uh-huh. Ça dépend. De quoi? Quand on est en tas, en fait, on s'en va directement sans le préservatif. Ah, d'accord. Ça, ici, l'excitation est vite venue. Voilà. Il n'y a pas à faire des préservatifs. On n'a pas le temps. Hey, ok. Merci et bonne suite déjeuner. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. D'accord. J'ai un thème pour vous ce soir-là. Un sujet vraiment très intéressant. Mais dites-moi, est-ce que vous avez une idée? À propos de quoi? Est-ce que vous avez une idée du sujet? Non. D'accord. Le sujet est simple. Okay.
Vous êtes pour ou contre le port des préservatifs durant les rapports sexuels? C'est-à-dire, est-ce que quand vous partez avec votre petite amie, vous vous sentez à l'aise quand vous vous préservez? Ou bien vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous vous préservez? Non, je me sens à l'aise quand j'en me préserve. Donc tu es pour le port des préservatifs durant les rapports sexuels? Pourquoi? Juste pour se protéger. Mais qu'en es-tu de ton plaisir? C'est vrai, tu as te protéger, mais ton plaisir. Parce qu'en te protégeant, je suppose que tu n'auras pas le plaisir que tu veux. Oui, c'est pas fou. Mais pourquoi tu veux préservatif? Si toi, tu sais que ça... Il n'y a pas de goût dedans quand tu fais avec. Bon, en tout cas... Bon, c'est juste pour te protéger. Parce il y a d'autres filles. Si tu n'as pas ton préservatif, quoi, il ne peut pas accepter. Donc... Ça cause ça emmène les préservatifs. Donc tu as ça sur toi actuellement? Non. Hein, comme tu as touché ta poche là? C'est pas ça sur moi. Ok, donc toi tu portes ça à cause de la fille quoi? Oui. Sinon pour toi-même là, tu n'aimes pas, mais comme la fille elle veut forcément, donc tu portes. Bon, ça dépend de si genre elle veut pas tomber enceinte quoi, elle va me dire non de porter. Sinon toi si tu es enceinte, tu peux assumer aller là. Non. Ah, donc toi ok. D'accord. Merci et bonne suite de journée. Pas de problème. Alors, nous sommes au thème de cette émission. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. Commentez, likez, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux. Et nous attendons vos réactions dans les commentaires. Merci et on se dit à la prochaine pour un prochain numéro.